Sıkça sorarsanız çok arkadaşım var. Sağ olun. Ben biraz da aşkın ahlakından bahsedilmesini istiyorum. Şimdi eşitsizler arasındaki bu duyguda eşit olmayan, yani güçsüz olanın güçlü olana ulaşmasını ahlaki buluyor muyuz? Sufizm'deki kulun yaradanına ulaşması, onun gücüne ulaşması biraz da öyle, o boyutta bakılmasını istiyorum. Madem eşitsizler arasındaki bir nasıl diyeyim, karşılaşma, dinamik taraf her zaman güçsüz olan aşkta, güçsüz olanın çabasını ahlaki buluyor muyuz? Evet, güzel soru. Ben söyleyeyim bir şey bu konuda. Oui, je crois qu'il faut d'abord se mettre d'accord sur faible et fort, surtout dans l'amour. Surtout dans l'amour, où la notion de faiblesse et de force est une notion extrêmement complexe. Parce que, bien entendu, il y a la question des rôles sociaux qui définissent souvent des forces et des faiblesses de façon sociale. En effet, pendant toute une époque, l'homme est fort et la femme faible. On a appelé les femmes le sexe faible. Et puis, les riches sont forts, les pauvres sont faibles, etc. Ça, ce sont les rôles sociaux. Mais dans l'amour, les rôles sociaux sont nécessairement retraités quand il y a un amour véritable. Et ça, on le sait par la littérature depuis très longtemps. Que l'amour est menaçant pour les rôles sociaux établis. Il a toujours été. Et il l'est toujours aujourd'hui. C'est ce qu'on a essayé de dire. Et que l'amour est précisément quelque chose qui, en tant que nouvelle vérité, met en question les rôles sociaux. Quand il s'agit d'un amour vrai, d'un amour authentique, qui comporte nécessairement une forme égalitaire de relation. Et à ce moment-là, effectivement, la question de la force et de la faiblesse se modifie. Elle n'est pas la reproduction des rôles sociaux constitués. Elle ne veut pas dire qu'il n'y a pas sur telle ou telle ou telle question une position forte et une position faible à tel ou tel moment dans l'histoire de l'amour, évidemment. C'est bien pour ça qu'il y a des conflits, qu'il y a des disputes, que l'amour n'est pas une affaire calme et tranquille. C'est parce qu'il y a des affrontements, il y a des difficultés. Et ce n'est pas la reproduction des rôles sociaux. Dans l'amour, il y a une subversion des rôles sociaux. C'est pour ça que, en un certain sens, c'est ce que veut dire Breton quand il dit que tout amour est rébellion. Tout amour est toujours rébellion contre les rôles sociaux, y compris d'ailleurs la distribution des sexes. Il est bien vrai qu'il existe des amours homosexuels. Les amours homosexuels, c'est des amours qui transforment aussi une certaine figure des rôles sociaux établis. Donc voilà, je serais d'accord pour dire qu'il y a une transformation très importante de la question de la force et de la faiblesse dans l'amour lui-même. Parce qu'il y a une invention aussi sur ce point. Il y a une invention sur ce point. Et évidemment, la question du poids des rôles sociaux existe, mais tout amour modifie, transforme dans l'espace qui est le sien les rôles sociaux.